Et salut à tous, c'est Sven et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de notre Let's Play sur LEGO Indiana Jones 2. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait et j'avais très très envie d'y retourner. Donc alors, on s'était laissé ici, après avoir échappé à Irana Spalko, donc c'est la petite chinoise qu'on voit. Pour rappel, nous sommes dans les années 50 aux États-Unis. On vient d'échapper de la zone 51, enfin du moins on y est encore un peu j'ai l'impression. Vu que ce village-là est la suite de la zone 51, notre ami Mac nous a trahis et on se retrouve avec le concierge et Jones. Alors, où en sommes-nous? Que faut-il faire? Après, on a des trucs à casser. Non, ça doit être les trésors qu'on a récupérés lors des épisodes, du prochain niveau, je pense. On va casser des caractus. Hop. Bah, je vous propose d'enchaîner direct avec la ville du malheur. Je crois que c'est le deuxième épisode qui s'appelle ainsi. On va faire la flèche. Oui bien, pour information, si je ne dis pas de bêtises, je pense que cette ville du malheur, en fait, c'est une ville recréée dans la zone 51 pour des essais, militaires, voilà, lors de la guerre. Faut aller où là? Faut aller là-bas. Hop. On va poser ceci, après on a encore un morceau à aller poser quelque part. Ok, hop, on doit faire ça. Donc on va essayer d'être aventurier, ça pourrait être très très sympa. Voilà, on va péter tout ceci. J'ai un doute, attendez. J'avais un doute sur le son, mais je crois que ça n'a pas changé depuis le dernier épisode, donc j'espère que vous m'entendrez bien. Je vais essayer de parler distinctement, ce qui n'est pas forcément gagné. Hop, on casse la lampe de chevet pour avoir un peu de sous. On décale ça. Hop. Pouf. Au moins, si on a décapité quelqu'un. Oh mon dieu. Waouh, on a tué même le chien. Waouh, il y a de l'eau qui coule. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on peut aller dans la porte là? Non, on peut pas ouvrir ici. Donc on va monter à l'étage, les amis. Bon, je pense qu'il faut chercher un moyen pour s'échapper de l'attaque nucléaire imminente, puisque vous avez vu la grosse bombe lors de la cinématique précédemment. Voilà. Ça n'a pas l'air d'être un très très long niveau. Je vais d'abord récupérer les pièces ici. Est-ce qu'on peut casser ça? Oui. On casse les radiateurs, nous, parce qu'on est des warriors. Un coup de petit coup de poing. Tac, tac, tac. Waouh. Je vais récupérer mes pièces, s'il vous plaît. Voilà, on va sous la douche, dans les toilettes. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose avec ça? Non, j'ai pas l'impression. Donc alors, pour utiliser le lasso, c'est ça. Ah, que je me souvienne des touches. Bon, le classique, vous allez me dire. Allez, je récupère mes pièces, c'est bon. Dépêche-toi! Ouais. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on peut ouvrir ceci? Non, j'ai pas l'impression. Ah là. On va direct dans le grenier. Hop. Wow, c'est parce que je suis pas au bon endroit, j'ai l'impression. On peut le faire que devant. Et on monte au grenier. Voilà, on fait la petite caisse. Vite! Bon, ça va, il n'y a pas de compte à rebours, donc on n'est pas trop trop pressé. Je vais d'abord récupérer tout les pièces avant d'embarquer la caisse. Voilà. Allez, on va faire un petit peu aller le concierge. Le pauvre, il a été embarqué là quand même. Et je vais récupérer d'abord
tout ceci avant. Hop. Pardon. Qu'est-ce que cette chose? On dirait un cheval à bascule? Non, c'est un siège à bascule. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Non. Juste à récupérer un peu de pièces. Bon, c'est déjà ça de pris, hein, les amis. On va se dépêcher un petit peu. Niveau aventurier, il est plutôt pas mal. On est à la moitié presque. Il me le faut absolument, ce niveau aventurier. J'y tiens. Un peu enrhumé. Hop, on descend, on se glisse ici. On casse tout pour récupérer un maximum de pièces. Et on descend par ici. Voilà. Donc ça nous ouvre vers la porte. Hop. Avec l'alarme au fond. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Est-ce qu'on peut... Non, se mettre derrière. Ça, je pense que c'est pour remonter ici, ouais. Bon, c'est pas plus utile que ça. Ouais, on peut ouvrir la baie vitrée. Ça, c'est bien, ça joue un peu plus avec les éléments du décor. Je me souviens sur PSP, c'était le niveau que j'avais préféré. Même si en soi j'avais pas trop aimé le jeu, la façon dont il était fait. Donc c'était pas du tout pareil. Mais j'ai vraiment apprécié. Alors il faut aller là-bas. Hop, on va prendre le concierge qui lui. Hop, pour récupérer les pièces. On récupère ça. Ah oui, je me souviens, Jones il doit aller dans le. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Yeah. Wow, déjà ça commence bien. Bon, ok, ça sert pas à grand chose, on va plutôt casser tout. J'ai l'impression qu'il était bloqué. Voilà, on récupère toutes les pièces. J'ai pas de pelle. Donc ça c'est à faire au niveau normal. Hop. On récupère tout, toutes les pièces pour être niveau aventurier. J'aimerais bien finir le niveau comme ça. Enfin, je pense que vous me connaissiez. Hop, 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 hop. Yo, un trampoline. Pièce bleue. Ouais, ça gère. Une tondeuse à gazon. What? Qui a foutu la tondeuse à gazon a foutu le bordel. Non, mes pièces, mes pièces, mes pièces. Que puis-je faire avec ça? Ah, la pelle. J'ai l'impression qu'on nous donne tout à disposition pour pouvoir tout récupérer. Dynamite. Alors, qu'est-ce qu'on peut casser? On peut juste casser les persos, j'ai l'impression. Sinon, on peut remonter aussi par là. Je vais juste prendre la pièce là. Voilà, je vais activer ceci. Qui active l'eau qui va aller jusque ici. À tous les coups, des fleurs vont pousser. Nickel. Et ça nous fait des pièces en plus. Eh ben, on va être niveau aventurier, les gars. C'est nickel, c'est nickel. Wow. Vite le concierge, récupère les pièces. A votre avis, c'est à combien? 37 000? Eh, hey, pourquoi je peux pas casser ces fleurs? Bon, bah tant pis, on va rentrer, hein. Écoutez, s'il y a encore moyen qu'on gagne quelques petits trucs. Alors, 37 000, 37 000? Non. 37 000? Oui, 37 000. Nickel. Bon. Tac, on va récupérer les dernières pièces. Je pense que ça va être la fin du niveau. Tac, tac, tac.
Voilà. On casse la cafetière. Waouh. Pourquoi tout se bouge? Ah, c'est la radio qui fait ça. Vous excitez pas trop. On casse la table parce qu'on est des fous. Ok, on peut pas tout casser. Je vais chercher la dynamite. Attendez, c'est quoi ça? Bon, je vais chercher la dynamite et pour casser le frigo. Non, je veux pas ça. Wow. Allez hop, dépêche-toi. Nickel. Allez, Indy. Je veux Indy. Bah, le concierge. Non, le concierge. Ah, le concierge est là. Nickel, donc on se retrouve ici. J'ai l'impression qu'on a terminé le niveau. En tout cas, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, tenez les amis? On va un petit peu explorer ça, vu qu'on a un petit peu le temps, j'ai l'impression. Je vais juste voir par où il va falloir aller pour le prochain épisode. Je vais juste chercher la flèche. Hop. Je crains que c'était là. Ok. Bon d'accord. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il aura été court, je pense. Enfin, je l'ai pas chronométré, mais j'ai le sentiment qu'il a été court. Bref. On se retrouve très vite pour l'épisode 3 de Lego Indiana Jones. Je pense que je mettrai qu'une semaine pour vous le faire, celui-là. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. Laissez un petit pouce vert si ça a été le cas. Et un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas le cas. Et puis, à très vite pour le prochain épisode. Et même, allez voir d'autres séries que je fais sur la chaîne. Merci et à très vite. C'était Sven. Allez, bye bye. Tu as aimé cet épisode? Alors, tu peux aller regarder le premier épisode de Lego Indiana Jones, la trilogie originale, en cliquant sur la première vignette. Ou encore, tu peux regarder l'épisode précédent sur la vignette 2. Enfin, tu peux t'abonner en cliquant sur la tête d'Indy à gauche. Merci et à très vite !